Bienvenue à l'émission Crois-tu? Mon mot de présentation aujourd'hui sera très court. Deux phrases. Première phrase, Dieu l'a appelé par son nom alors qu'il ne le connaissait pas. Deuxième phrase, une question. Qui est celui qui était connu de Dieu avant même qu'il ne le connaisse? Ça, c'est mon mot de présentation de notre invité d'aujourd'hui qui est Tony Petit. Tony, bienvenue à l'émission Crois-tu? Oui, merci. Merci. On voudrait savoir de quel endroit tu es né. Oui, je suis né à Saint-Pamphile de Lillet, dans le bas du fleuve. C'est là que j'ai grandi une bonne partie de ma jeunesse, passé le temps de ma jeunesse là. Si je vous parle un petit peu de ce temps-là, bon, ben moi, je suis né dans une famille catholique, pratiquante, je dirais. Et puis, mon père, ma mère m'ont enseigné assez tôt les rudiments de l'Église catholique et les valeurs catholiques. Et puis, on a vite appris à aller à l'Église et à mettre notre foi dans ce qu'on nous enseignait. Et puis, je pourrais dire que je n'ai pas beaucoup manqué de rien. J'ai eu beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. J'ai été élevé dans une bonne famille traditionnelle et fonctionnelle. Avec ses valeurs, hein? Avec ces valeurs, oui. La chose qui faisait partie du quotidien, si je puis dire, c'était que quand on parlait de religion, la religion, c'était tabou, c'est-à-dire qu'on ne parlait jamais de religion. On allait à l'église, on vivait certaines choses, puis on sortait de l'église, puis on parlait jamais de ça. J'ai jamais vu mon père ou ma mère parler de Jésus ou nommer son nom ou quoi que ce soit, parler du sermon qu'on avait entendu le dimanche matin. C'était comme quelque chose qui était personnel et tabou. Donc j'ai grandi avec cette perception-là que la foi, l'église, Dieu, c'est quelque chose de personnel, puis on n'en parle pas à personne. Et ça se passe à un seul lieu à l'église. Ça se passe à un seul lieu à l'église, tout à fait. Ensuite, bon, j'ai grandi. Mon enfance, je dirais que c'est un enfant sans histoire, un enfant aimé, qui a manqué de rien, qui a une bonne relation avec mes parents, et puis croit en Dieu. Puis, dans ma tête à moi, religion égale église, église égale religion, Dieu égale église, égale, Dieu et Dieu, église, religion, c'est presque des synonymes. Donc, OK. si je veux être en lien avec Dieu, il faut que j'aille à l'église. Quand je vais à l'église, Dieu est content, etc. C'était ma compréhension un peu de ce qu'on pouvait appeler la foi, d'une certaine manière. Et puis, dans mon enfance, ma tendre enfance, quand j'avais peut-être une dizaine d'années, il est arrivé un événement, c'est que mon oncle Jean-Paul, qui est le soeur, qui est le frère de ma mère, est venu nous visiter. Et puis là, il est venu dans la famille, puis là, on a entendu dire qu'il avait changé de religion. Et puis là, il venait faire le tour des membres de la famille, puis il venait partager sa foi. Puis là, pour la première fois, ça me frappait de voir que cet oncle Jean-Paul-là parlait de Dieu, parlait de Jésus, parlait ouvertement de tout ce qu'il connaissait de Jésus. Puis nous, on était des enfants, puis bien que mon oncle Jean-Paul venait pour s'adresser à mon père et à ma mère, nous, on était les enfants, on s'assoyait en avant, puis on écoutait. J'étais l'aîné d'une famille de trois enfants. Puis on s'assoyait devant mon oncle Jean-Paul, puis on buvait ses paroles. Puis pour la première fois, on entendait parler de Jésus, ou à Et peu pour, près. oui, une des rares fois, on parlait de Dieu dans la maison. Tout à fait. Et puis ça nous fascinait, ça nous attirait. Donc, mon oncle Jean-Paul, bien qu'il venait s'adresser peut-être aux adultes dans la maison, bien, c'était les enfants qui écoutaient ces histoires. Bon, ça, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. Il venait nous raconter des histoires, puis nous exhorter par rapport à lire la parole de Dieu, etc. Puis, bon, pas nécessairement que la famille était ouverte, mais l'idée, c'était que nous, les enfants, on était tous surpris d'entendre parler de la foi d'une autre façon que celle qu'on connaissait. Et puis après, bon, l'école secondaire, le cégep, bon, encore une fois, je vous dirais, sans histoire, j'ai été épargné parce que
Je dirais pas un enfant de cœur, mais quelqu'un d'assez tranquille, là, qui était concentré à ses études, qui n'a pas goûté à toutes sortes de choses que le monde lui propose. Donc, j'ai pas vécu nécessairement beaucoup de situations difficiles. Et puis, là, j'ai commencé à me poser des questions. Bon, c'est dans cette période-là que j'ai eu ma première blonde. On parle du cégep, l'université, des premières années d'université. Donc, et puis là, je commence à me poser des questions. Dieu existe-t-il vraiment? Et puis, je continue à être fidèle à l'Église catholique. Je vais à l'Église, même si je suis un adolescent, même un jeune adulte. Mais ce qui me frappe, c'est que l'Église, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans l'Église. Puis ça m'inquiète. Puis je me pose la question, est-ce que c'est moi qui est normal? Pourquoi je suis ici? Et puis, pourtant, on m'avait enseigné l'importance d'aller à l'Église. Puis là, je vois que je suis seul ou à peu près à fréquenter l'Église. Puis là, ça m'amène à questionner, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que ce que je crois, c'est vrai? Et ça soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ma première année universitaire, ça a été plus difficile un peu au niveau des études. Et je suis en couple avec une amie qui est devenue ma femme par après. Et puis, je me questionne de plus en plus sur l'existence de Dieu, si Dieu existe vraiment. Et puis, je commence de plus en plus à moins fréquenter l'Église parce que je me rends compte que ça change peut-être pas grand-chose que j'aille ou que je n'aille pas à Et l'Église. surtout, ça répond pas à ta question. Donc, Tony, on prend une courte pause, puis on retire cette question-là que tu t'es posée maintes et maintes fois. Est-ce que Dieu existe? La suite après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Tony, tu t'interroges sur l'existence de Dieu. Là, ce qui arrive, c'est que je fais un peu une pause sur mon histoire pour vous mettre, ajouter un élément dans ma vie. C'est que j'avais une relation assez intime avec mon cousin qui habitait à deux maisons de chez moi à Saint-Pamphile. Puis on était comme deux frères. On passait beaucoup de temps ensemble. On était à peu près du même âge. On a grandi ensemble. On jouait au hockey ensemble. On a fait plein de choses ensemble. Puis là, avec les études, on a perdu un peu le contact. Lui est allé étudier au Lac-Saint-Jean, alors que moi, je suis allé étudier à l'Apocatière, au Cégep de l'Apocatière. Puis là, on a perdu le contact en tant que tel. Donc, je ne savais plus vraiment ce qui se passait dans sa vie, et lui non plus. Et puis, j'entends dire que cet ami-là proche, mon meilleur ami, j'ai envie de dire, a changé de religion, comme mon oncle Jean-Paul, là. Encore cette expression-là qui vient, qui a changé de religion. Et puis là, moi, je refuse ça. Je dis non, 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 non. Mon cousin Jeannin, c'est sûr que s'il a changé de religion, il m'en aurait parlé ou il m'en aurait parlé avant de faire ça. Donc, je ne crois pas ça, les rumeurs dans la famille. Mais quelques mois plus tard, j'apprends qu'il m'invite à ses noces. Donc, j'ai compris que c'était fondé puis que là, il voulait se marier. Donc, les rumeurs étaient vraiment confirmées. Et là, ça m'a amené encore plus à me dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Okay? Là, je reviens à là où j'étais. De plus en plus, je doute. Et puis là, j'en viens à un moment donné, je dis, il faut que Dieu me prouve qu'il existe vraiment. Donc, je le mets au défi. Je lui dis, dans une prière, tout simplement, je dis, Seigneur, si vraiment tu existes, et si je crois, si tu veux que je continue à croire en toi, il faut que tu me prouves hors de tout doute que tu existes. Et puis je te donne 2 semaines. Oh, Oui, oui, oui. un délai. Un délai. Et puis, puis je suis sincère. Puis honnêtement, à ce moment-là, je m'attendais à une apparition. Je m'attendais
à faire un songe, un rêve. Je m'attendais à quelque chose de surnaturel. Donc, à tous les soirs, pendant cette période-là, je me couchais le soir et je disais à Dieu, aujourd'hui, tu ne m'as pas prouvé hors de tout doute que tu existes. Donc, il reste demain, il reste après-demain. Puis, je rentre dans cette période-là où ce que je questionne Dieu dans ce sens-là. Et puis, et là, il est arrivé quelque chose. Un matin en été, en 1984, je décide de partir un peu plus tôt pour aller au travail. On est dans la période d'été, je suis étudiant, donc j'ai un travail d'été. Et puis là, je cherche un autre job, tout simplement parce que je veux changer de travail. Et puis là, je veux m'en aller au centre d'emploi pour chercher un travail. Puis, je quitte plus tôt, puis je prends un autre chemin que mes habitudes. Et puis là, j'arrive à une intersection, à une lumière rouge, dans la ville de Québec. Et puis, il y a un auto qui stationne derrière moi, dans le trafic, puis qui klaxonne après moi. Et puis là, je lève les yeux, je regarde dans mon miroir, je ne reconnais pas cette personne-là. Puis là, la lumière change, donc Héros. je roule jusqu'à la prochaine lumière, jusqu'à la prochaine lumière rouge. Puis là, encore, cette voiture-là se stationne presque en arrière de moi, puis klaxonne encore après moi. Donc, là, je vois bien que cette personne-là veut me parler absolument. Et puis, je me range sur le côté, je me dis probablement que cette personne veut me dire quelque chose par rapport à ma voiture. J'essaie de comprendre. Et puis, à ma plus grande surprise, c'est mon cousin Jeannin, mon meilleur ami que je vous parlais tantôt du lac Saint-Jean, qui est à Québec en voyage de noces. Et puis, je dis, ah, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, il m'annonce qu'il est à Québec pour un temps, puis que là, qu'il aimerait ça prendre du temps avec moi. Donc, là, étant donné que cette journée-là, je m'en allais tout de suite au travail après, je l'invite à venir me rejoindre dans la soirée chez moi, à mon appartement, pour qu'on puisse jaser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon cousin, lui, pendant qu'il était à Québec, il était ici en voyage de noces à Québec, puis sa femme avait une formation. Donc, il était dans son auto, dans le stationnement de l'hôpital, parce que sa femme travaille dans le milieu hospitalier. Et puis là, il priait, puis il demandait à Dieu, j'aimerais ça rencontrer mon cousin Tony. Je sais qu'il est à Québec, mais je n'ai pas son nom. Je n'ai pas son numéro de téléphone plutôt. Je n'ai pas son adresse. Je n'ai aucun moyen de le rejoindre. Je ne connais personne qui pourrait m'aider. Et c'est dans le trafic que la rencontre s'est faite. C'est dans le trafic que la rencontre s'est faite. Imagine-toi donc. Et puis, le pire, c'est qu'il n'avait jamais vu ma voiture. Il n'avait jamais vu ma voiture. Donc, lui, quand il stationne en arrière de moi, il vient de prier, puis il stationne en arrière de moi, puis là, il regarde. Puis là, moi, j'ai levé la tête dans le miroir, il dit, hey, mais ça ressemble à mon cousin, je prends une chance. Donc, il a klaxonné. Puis là, c'est là que quand je me suis rangé sur le bord, c'est là que la rencontre s'est faite entre nous deux, en plein trafic à Québec, dans un centre-ville à Québec. Et puis, il y a peut-être un an ou deux, je lui ai demandé, raconte-moi donc, toi, ta version, ton côté, comment tu as vécu ça, toi, notre rencontre? Parce que des fois, quand je m'écoute, je me dis, est-ce que j'ai exagéré? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Il y a un an, on a pris du temps ensemble, puis il m'a raconté, il dit, écoute, tenez, je vais te raconter plus que ça. Il dit, j'étais dans ma voiture, j'étais en train d'attendre. Je venais de prier pour essayer de te rencontrer. Puis il dit, là, je décide de coucher mon banc puis de faire un petit roupillon, un petit somme. Puis il dit, je me suis réveillé. Puis là, j'entendais dans mon esprit une voix qui disait, Tony, Tony, Tony. Puis là, je dis, ben là, probablement parce que je viens de prier mon cousin que cette voix-là se fait entendre. Puis là, encore une fois, il dit, j'entends encore cette voix-là qui se répète dans ma tête. Alors là, il dit, je décide de prendre ma voiture, puis il dit d'aller en ville, et puis on s'est retrouvés à la même intersection, à la même lumière rouge. Et puis là, à partir de là, on s'est donné rendez-vous dans mon appartement pour avoir une discussion, pour que je puisse comprendre un peu plus Oui. pourquoi il avait changé de Et c'est religion. là que ta première phrase lors de la présentation, Dieu t'a appelé par ton nom alors que tu ne le connaissais même pas. Tout à fait. Courte pause, mon cher Tony. On prend une courte pause, puis après, j'ai hâte d'entendre la suite de ton témoignage. Merci.
Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croitu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Tony, tu viens de nous partager juste avant la pause une rencontre bizarre. Les gens pourraient dire que c'est le hasard, mais on voit que c'est Dieu qui est en train d'intervenir d'un côté comme dans l'autre, c'est-à-dire dans ta vie, comme dans celle de ton cousin. Tout à fait. Et puis, le soir venu, j'avais plusieurs questions nécessairement concernant ses décisions à lui, son choix de se marier, etc. Concernant la foi, parce que là, lui, un peu comme mon oncle Jean-Paul, il parlait ouvertement de sa foi. Et j'avais beaucoup de questions de toutes sortes d'ordre. Puis là, ce qui me frappait, c'est qu'il rouvrait sa Bible, puis qu'il me lisait un verset, un texte. À chaque fois. Et puis là, j'étais estomaqué. Puis là, je disais, mais non, la Bible, on peut pas faire ça. On peut pas lire ça de même. On peut pas. Il faut des instructions. Il faut de l'instruction. C'est dangereux, entre guillemets. Et puis, lui, il me répétait, examine-le toi-même. Regarde toi-même. Lis dans Jean. Puis là, il me donnait certains conseils pour commencer à lire la Bible, puis il me donnait des instructions pour ne pas commencer dans des parties plus trop difficiles. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, après qu'il soit parti, là, je lisais, je n'écoutais plus la TV, je ne faisais plus que rien que le lire la Bible. Et j'étais assoiffé, je découvrais des choses que je pensais comprendre ou savoir. Puis je lisais à la limite presque le contraire. Et c'était de découverte en découverte. De découverte en découverte. Puis un verset clé qui m'a bouleversé dans une certaine manière, je vais vous le lire. Matthieu 7, 13, 14, ça dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Et là, quand je lisais ce texte-là, je disais à mon ami à ce moment-là, qui est ma femme maintenant, je disais, on est sur le chemin large, spacieux. On n'est pas sur le chemin étroit parce qu'on est comme tout le monde. On ne fait rien de différent de tout le monde. On n'est pas sur le chemin resserré qui mène à la vie. On n'est pas dans une porte étroite. Et puis là, j'étais convaincu que j'avais des décisions à prendre dans ma vie. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, quelques mois plus tard, dans les mois qui ont suivi, j'ai lu ma Bible là, d'une façon intensive. Et puis, dans les mois qui ont suivi, mon cousin est revenu me visiter au mois de décembre. Et lui, bon, nécessairement, probablement qu'il est retourné au lac Saint-Jean et il a commencé à prier pour nous avec toute sa famille d'église. Et puis là, quand il est revenu, là nous étions bouleversés parce qu'on avait lu, on voulait savoir plein de choses, plein de questions. Puis c'était frappant toujours de voir comment il n'avait pas toutes les réponses, mais il apportait tout le temps des réponses en fonction des Écritures. Et puis ça me touchait au plus haut point. Puis là, je voyais que c'était possible de lire la Bible, même si on n'avait pas de cours de théologie ou de formation quelconque. Tony, peux-tu nous résumer un peu les découvertes que vous avez faites
dans la Bible? Moi, je pensais honnêtement que tout le monde allait au ciel. Et puis, à part peut-être certaines personnes qui avaient commis des graves péchés, tout le monde allait au ciel, alors que là, je découvrais que non, c'est peu, et c'était limité. Ça, c'en est une chose qui m'a bouleversé, qui m'a frappé, alors que moi, j'avais toujours, toute ma vie, on m'a enseigné que il n'y avait pas de problème si je restais tranquille comme ça, j'allais au ciel. Et puis, Jésus, le rôle de Jésus. Je connaissais à peu près rien de Jésus. Je m'aperçois que je connaissais rien de Jésus. Je le connaissais de nom. On se souvenait à Pâques qu'il est mort sur la croix, mais même ça soulevait peut-être plus de questions que de réponses. Alors que là, maintenant, je comprenais que Jésus était mort sur une croix pour moi. Puis là, en même temps, moi, avec la vie tranquille que j'ai eue, est-ce que ça valait la peine que Jésus meure pour moi vraiment? Puis je me suis vite rendu compte que c'était essentiel et que bien que j'étais tranquille, j'ai eu une vie assez tranquille, j'étais quelqu'un qui a commis plein de péchés dans ma vie. Puis juste mon état matrimonial était non conforme selon les Écritures. Donc, je voyais plein de choses là, qui me montraient que je n'étais pas en règle avec Dieu, mais pas du tout. Et plus je découvrais qui était Dieu, plus je découvrais ce qu'il avait fait, plus que ça m'attirait d'une certaine manière. Alors, ce soir-là, un 22 décembre, juste un peu avant Noël, j'ai dit à mon cousin, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Parce que je vois que je n'ai pas la vie éternelle. Et puis là, il m'a dit, écoute, est-ce que tu comprends bien ce que Jésus a fait pour toi? Puis j'ai compris que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Qu'il a donné sa vie pour moi, par ses meurtrissures, par sa mort, par sa résurrection, il me donne la vie. Et puis là, j'ai fait une prière de repentance. J'ai demandé à Dieu de venir dans ma vie. Moi et ma blonde à ce moment-là, en même temps, on a prié ensemble. On est venu j'ai envie de dire, on est venu à comprendre la vérité en même temps. Et le cousin était touché de voir notre ouverture et notre état d'esprit, bien qu'il n'ait pas eu de communication avec nous entre le moment qu'il a quitté à l'été, puis on est rendu en plein hiver, là, rendu au mois de décembre. Dieu avait fait son œuvre, la parole de Dieu avait travaillé vos cœurs au point d'être prêt à accueillir cette belle invitation d'un Tout sauveur à pour fait. votre vie présente et votre éternité. Tout à fait. Courte pause, mon cher Tony, après la pause, on lance une invitation à nos téléspectateurs. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Tony, donc, vous êtes mis à lire la parole de Dieu et tu as fait des découvertes, toi et ton ami, des découvertes au point de prendre une grande décision concernant ta vie et ton éternité. Peux-tu nous en dire plus à nous, les chers téléspectateurs qui sont là à l'écoute, qui veulent peut-être prendre cette décision? Du moins, on les encourage. Ouais. Moi, ce que j'ai compris suite à mon cheminement, c'est que si on cherche Dieu, là, il faut d'abord s'adresser à lui. Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je cherche, mais que je passe par Jésus. Je cherche, puis j'ai demandé à Jésus. Puis j'ai demandé directement à Jésus. La Bible dit qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Donc, je me dis, si tu es vivant, si tu es ressuscité, tu dois être capable de te manifester. C'est la prémisse dans mon témoignage. L'autre chose, c'est qu'il faut être ouvert à la façon dont Dieu va nous répondre. Moi, je m'attendais à des apparitions, à des miracles, à des choses extraordinaires. Puis Dieu, il est apparu à travers mon cousin. Et puis, l'apparition que j'ai eue, ce n'était pas nécessairement celle que j'attendais.
Mais après coup, j'ai réalisé que c'est Dieu qui a envoyé ce cousin-là pour m'éclairer, pour m'aider. Et puis aujourd'hui, je me rends compte comment la parole de Dieu est puissante, comment elle est vraie, comment elle nous fait cheminer. Et puis Dieu parle encore aujourd'hui. C'est ça qui est encourageant. Des fois, il parle par sa parole. Des fois, il va parler à mon cousin dans son auto. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre et il parle encore aujourd'hui. Donc, si on cherche Dieu, Dieu veut nous parler, puis il va prendre les moyens pour nous rejoindre. Donc, je terminerai peut-être avec un verset que je trouve qui résume bien mon témoignage. Vas-y, C'est mon cher Tony. demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Je suis une preuve vivante que lorsqu'on frappe, Dieu répond. Oui, et c'est sa promesse, et il l'a dit, il va le réaliser si on lui demande. Et si vous voulez en savoir un peu plus, hein, davantage concernant le témoignage de Tony et ce qu'on vous offre, écrivez-nous à crois-tu.ca. Venez nous rendre visite à crois-tu.ca, c'est un service gratuit. Appelez-nous, le numéro de téléphone est là, il y a un service. Là aussi, il y a des gens qui vont répondre à votre appel. Les études bibliques le mardi. 19h pour le Québec, Nouveau-Brunswick à 20h. Le samedi 9h30, des témoignages, comme vous venez d'entendre, un peu plus élaborés, plus détaillés. Alors samedi à 9h30 sur Zoom à crois-tu.ca. Et on a de la littérature offerte gratuitement, entre autres le passeport pour le ciel. Vous n'avez qu'à nous en faire la demande. Et c'est un service tout à fait gratuit. Alors merci encore, Tony, de ta participation. Et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?